Ford 9N, 1951. Il y a des straps temporaires, ça pour rapport. Parfaitement fonctionnel. Sauf l'hydraulique. Démarrer. On tourne la clé. On tient le choke un petit peu dans les airs et on appuie sur le bouton au-dessus de la clé. Hydraulique. Plusieurs vitesses, doucement ou vite, comme on le veut. La simple action pour diriger le baquet, on tire là, le baquet tombe là. Comment qu'on fait? On descend doucement au sol, on recule doucement. Et le baquet est remis. Donc, pour vous montrer le swivel, on tire sur le bras. On peut le barrer comme ça aussi. Sinon, c'est les crochets qu'il y a là. On peut l'élever à la main.